comment j'ai abordé ce jeu? J'avais du mal à mettre des mots sur les émotions. J'avais du mal à expliquer l'émotion à mon enfant. Et ce jeu m'a permis en fait d'avoir des mots percutants, des mots que je n'aurais pas trouvé moi, des mots que voilà auxquels on ne pense pas forcément. Et ça m'a permis de pouvoir lui expliquer, voilà, le fait d'être content par exemple, la colère, voilà. Et lui-même maintenant, à 3 ans, est capable de me dire quand il est content ou quand il est en colère. Donc bientôt, on va pouvoir appréhender d'autres émotions comme la tristesse, le fait d'être joyeux, je dirais, le fait d'avoir peur. Peur, on commence aussi petit à petit à en parler. Donc voilà, je pense que je vais pouvoir utiliser toutes ces émotions, toutes ces cartes, pour pouvoir mettre des mots, utiliser les mots de Patricia Covella, voilà, pour en parler à mon enfant. Super. Et quels en ont été les bénéfices ? Les bénéfices, il est capable lui-même aujourd'hui de me dire dans quel état. Il est capable de me dire quand il est content, il est capable de me dire quand il est en colère. Et je pense que voilà, pour un petit garçon de 3 ans, c'est bien, ça rassure. Voilà, ça le rassure de savoir exactement ce qu'il ressent.